Cette exposition, c'est l'exposition anniversaire qui est un peu le point d'orgue de 10 ans du programme Audi Talent Awards dans différentes disciplines, design, art contemporain, musique à l'image et court-métrage. Chacun des auteurs a travaillé sur différentes matières. Donc on est à la fois sur du croisement de disciplines, sur du croisement de médiums et sur un croisement au sens interactif du terme avec le public qui va visiter cet ensemble. Le titre de l'expo, c'est numéro de téléphone. Et le titre de l'expo, c'est numéro de téléphone. C'est un attente de la personne sur toute sa vie, sur la possession du téléphone. Pour organiser cette exposition, on s'est tous mis autour de la table et on est parti de notre incitation sur la mémoire de notre présent finalement. Quelles sont les traces, quels sont les souvenirs, qu'est-ce qui nous permet de témoigner de notre époque. Je dirais que ces workshops, c'est un peu comme un feu de camp. Et puis ce qu'on voit, ce sont des traces et des indices des échanges qu'on a pu avoir. Et donc on a un reflet de ce qu'est aussi le programme Audi Talent Award sur ces 10 années de soutien à la création émergente. Arnaud Astruc et Benjamin Fournier-Bidoz forment avec Franck Fontana et Alexandre Echasseriot le Quatuor qui a travaillé sur un dispositif qui donne le nom de l'exposition. Cette installation, c'est le fruit de cette réflexion sur ces messages qu'on va recevoir à la galerie. C'est une sorte de tunnel dans lequel on peut venir s'enfermer. Et donc les spectateurs vont être amenés à entendre ces voix qui sont les voix du présent et à écouter des messages qui sont totalement libres. Jérôme Dumès, lui, est designer. Il a travaillé sur un projet qui s'appelle La mémoire de l'eau et représente sa table de designer, qui est son outil premier de travail, d'invention des objets, et comment l'eau, petit à petit, va venir effacer les choses. Donc, c'est un travail entre permanence et éphémère. Constance Guisset, elle aussi designer, a travaillé sur une matière qui est la pierre de lave, qui est une matière éternelle, et elle fait une sorte de combinatoire entre quelque chose qui est à la fois sensible et doux, à partir d'un matériau immémoriel. Le projet de Nel Belofax, c'est le titre d'une vidéo qui parle de la surveillance, de la manière dont on peut prévoir l'avenir, de la manière dont nos vies sont contrôlées. Et donc cette vidéo est projetée à l'intérieur d'un environnement qui va nous délivrer un certain nombre d'indices, de repères, d'éléments qui sont donc en tension avec cette installation vidéo. Grégory Hervelin et Franck Fontana ont travaillé sur un dispositif qui est une forme de projection de soi en avant. Le dispositif s'appelle Extraction, c'est un système de captation vidéo qui permet de s'intégrer soi-même dans le paysage que l'on contemple. Le travail d'Arnaud Lapierre, qui s'appelle Capillarity, lui va plutôt travailler sur la question du temps et la question de l'imprégnation et de l'empreinte des choses et de la trace qui est laissée par la couleur sur un matériau monolithe fondamental qu'est la pierre. Wilfried Almendra, qui est un artiste de la catégorie art contemporain, a souhaité, à partir de ce workshop, répondre à des questions liées au langage, à la mémoire de la parole, dans une forme assez inattendue. La plupart des projets qu'on voit dans cette exposition sont complètement inédits. Et donc, il y a cette dimension d'un art aussi de l'instant qui est en train de se créer, qui reflète bien l'état d'esprit dans lequel on était dans les workshops.